Et Yomina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Dragan. On se retrouve pour la suite de ce Persona 3 portable. Donc j'ai fait les étages que je n'avais pas fait vu que Tartare avait agrandi, donc avait bien grandi au niveau étage. Je les ai terminés et je me suis dit comme ça, on peut être tranquille. J'ai sauvé les humains qui étaient dans Tartare, que je peux pour l'instant sauver. Donc, déjà, l'essentiel, c'est que c'est fait. Allez, on commence. Aïm, Ani, Tetragrammaton. Nous avons parlé de l'évolution de la magie et nous en arrivons à l'époque moderne. Tout l'art et toute science se divisent en sous-catégories en évoluant. La magie a connu le même phénomène vers le 18e siècle. Certains prêchaient la morale, d'autres voulaient communiquer avec les esprits. La psychologie moderne a même été fondée par un homme faisant des recherches sur l'hypnose. Il s'agit aussi de la magie, la capacité de lire l'esprit humain. Face aux recherches magiques florissantes, on a multiplié les chasses aux sorcières. Des sociétés secrètes sont alors nées afin de contrer ce phénomène. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ces organisations. La Rose-Croix, les francs-maçons, les Illuminati, l'Aube Dorée. Certaines sociétés sont encore présentes aujourd'hui. Les précurseurs de la magie moderne sont innombrables. Il y a Eliphas Lévi, l'homme qui a essayé de mélanger d'anciens et de nouveaux systèmes de magie. Ses ouvrages scientifiques sont encore publiés de nos jours. Elena Blavatsky était la plus grande magicienne du 19e siècle et une théosophiste renommée. Sa société théosophiste a donné naissance à de nombreuses sociétés magiques. Mesmer et ses études sur l'énergie vitale ont ouvert la voie de la psychologie. Rudolf Steiner a partagé son savoir et son anthroposophie. Sans oublier Aleister Crowley, le plus grand magicien du XXe siècle. Et Gurdjieff, un mystique qui a enseigné la quatrième voie à ses élèves. Toutes ces personnes avaient un immense savoir. Alors lui, franchement, c'est perché. Ses cours à lui, à Monsieur Edogawa, bourre le crâne. Vous m'écoutez, vous n'êtes même pas en pleine méditation quand même. Je vais m'en assurer grâce à un petit test. Donc il va questionner moi qui a fondé la théosophie à l'origine de nombreuses sociétés magiques. Elena, je crois, non? C'est bien. Les arts magiques ont encore plus progressé grâce à la pratique. Avec le savoir partagé par les personnes dont j'ai parlé aujourd'hui. Voilà. On est vendredi. Yukari n'est pas là. Ok. Eh ben... Allez, on va aller au sanctuaire, tiens. Vous vous sentez plus proche. Vous aurez de la chance. Eh ben, nickel. Les égarés augmentent en nombre. Ouais. Mais là, cette nuit, moi, je vais dormir pour éviter d'être... d'être léthargique. Comme ça, je le serai plus. Lycée Gekugan, salle de conseil des élèves. Yukari travaille seule à un bureau. ここに来ると珍しいね。部活の関係か。はい、活動報告先生に頼まれちゃって。そうか、大変だな。別に。 先輩よりかは全然大したことないですよ。ちょっと聞きたいんですけど。先輩って何のために戦ってるんですか？私は、私の戦いは食材だ。昔。私は何のためとか、本当言うと、もうないです。父さんのことわかっちゃったし。ただそれでも、父さんの残したものをせめて私が消せれば。 なんで戦うかなんて最初に考えなきゃですよね。なのに私、今頃になって初めて真剣に考えてる。仕方ないさ。けど、みんな違いますよね。戦ってる理由。まあ、シャドウをやっつけるってだけでもいいと思うんですけど。何が言いたい？自分でもよくわかんないです。次の満月でいよいよ最後のシャドウだし。
考えてるうちに終わっちゃいますよね。そうだ。次で全て終わるぜ。そして、そろそろ生徒会の委員が来る頃だ。話なら後でも聞くな。あ、いいんです。すいません、お邪魔しました。 Ok, Junpei qui est là. On va aller en ville. Oui, on va rester là jusqu'au soir. Allez, jeu de la fortune. C'est vrai que là, ça va être la fin. Hein. C'est vrai que ça va être la fin, la dernière ombre. Hein. Mais ouais, on verra. On verra. On va faire ça. Le jeu de la fortune pour augmenter la magie. C'est vrai que c'est bientôt la pleine lune, purée. S'il te plaît, Yukari. Ah, c'est Yuko. Bon, on va lui dire oui quand même. On est gentil quand même, on va pas refuser. Centre commercial Polonia Karaoke Mandragora. Vous passez du bon moment avec Yuko. J'ai la gorge sèche. J'ai dû trop chanter. Le front de Yuko, lui, de sueur. Tu sais, ce n'est qu'un avant-goût de la fête pour nos débuts d'entraînement. On va faire une vraie fiesta. Tu as encore du temps, non? Qu'est-ce que tu veux faire? Allez au café. Parfait, je me disais la même chose. Je boirais bien une boisson fraîche, ça. Allons-y. Aujourd'hui, votre lien s'est beaucoup renforcé. Vous vous rappelez d'avoir quelque chose qui pourrait servir de cadeau? Non. Quoique, on a déjà offert à Yukari. Donc, ouais. Je me doute que le chien est prêt. Je me doute bien, hein. Mais j'ai pas pu augmenter Yukari, ça me ferait chier, faut que je l'augmente quand même. Kenji. Eh, hey, Kenji. Bon sang, il est complètement endormi, il devrait se mettre au café avant les cours. Et toi, Dragon? Tout le monde sait que le mot café vient de l'arabe, sinon, c'est que vous m'avez pas écouté. Mais lequel de ces mots ne provient pas de l'arabe? Hasard, zénith, moustique. Hasard? Dommage, la réponse était moustique. Ah, j'ai hésité entre hasard et zénith. Hasard et zénith proviennent tous les deux de l'arabe. Tandis qu'il n'est pas le cas de moustique qui vient de l'espagnol. Oh, c'est bon. Yukari, let's go. Ah, ça va pas monter. Le café, c'est juste pour parler. Ah, c'est... Comment on explique ça? C'est la dèche, c'est la dèche, c'est la dèche. C'est pas grave. On a encore le temps de monter notre amitié avec notre lien avec Yukari. Il y en a partout maintenant, pas vrai? Des cas de syndrome apathique? Ouais, le frère d'un ancien pote a été touché aussi. Ça commence à devenir grave. Il parle de plus en plus de ça aux infos. Oh, t'as vu l'émission spéciale qu'ils ont passée? Nostradamus avait prédit tout ça. Mmh-hmm. Il avait prédit qu'il allait avoir une telle mouise. Ça m'étonne. Une fille. Et c'était pas Yuko que je voulais faire, mais c'est pas grave. Ça augmente quand même Yuko en même temps.
On peut pas faire la télé? Non. Ok. Ah, Pharos. C'est Pharos. On va augmenter peut-être le lien, le social link avec Pharos. Je crois qu'avec Pharos, on est 7, 7 ou 8 avec Pharos. Si je dis pas de bêtises. Konbanwa. A to 1 shoukan de mangetsu da yo. Iyoiyo, konkai ga 12 taime da. Junbi wa ii? Koko made nagakatta no ka mijikakatta no ka. Keredo, omoide banashi o suru ni wa mada hayai yo ne. Ja, owatta ra mata ai ni kuru yo. Kuregure mo kiyo tsukete ne. Ah non, même pas, c'est juste pour venir nous parler. Ok. Yukari, s'il te plaît. Ah, c'est Yuko. Non, mais je veux Yukari. S'il te plaît, Yukari, sois là. Yes. Let's go. Oh non, c'est encore le café. Ah, le dernier, ça va être long avec elle. Ah, le dernier, ça va être très très long avec elle. Ça va être malheureusement très très long. Le prochain chapitre concernera les enzymes. Vous avez peur de ne rien comprendre? Ne vous en faites pas, vous connaissez déjà très bien leur endroit préféré, votre propre corps. Voyons voir ce que tu sais, Dragon. Prenons le lait. Qui contient de l'acide lactique? La fonction d'une des enzymes est de transformer l'acide lactique en glucose et en galactose. Quel est le nom de l'enzyme? Lactase? Ouais, c'est ça. Certaines personnes digèrent mal le lait parce que leur corps ne produit pas assez de lactase. C'est pareil avec l'alcool, certains n'ont pas les enzymes nécessaires pour bien l'éliminer. Enfin, n'essayez pas de vérifier que vous avez la bonne enzyme avant d'avoir l'âge légal, d'accord? Ok. Pas de soucis. Oh, encore le café. Vous sentez que votre relation se renforcera bientôt. Yes, la prochaine c'est bon. La prochaine c'est bon. La prochaine c'est bon. On va faire dodo. On garde notre thune, on fait dodo. Je garde ma thune pour acheter, si imaginons, besoin des armes. Elisabeth qui va me dire qu'il y a quelqu'un qui est dans la... dans Tartare. Ok, il y en a un dans Tarta. Le cours va commencer. Allez, lui, il recommence. Salamander, Sol, Gluhen. Mademoiselle Toriumi est malade aujourd'hui à nouveau. Je vais donc la remplacer. Les gens ont tendance à beaucoup trop manger en automne. Faites attention. Il se trouve que j'ai une leçon de prête. Aujourd'hui, nous allons parler de magie d'invocation. Nous allons aborder à présent la magie d'invocation d'anges et de démons dans ce monde. Qu'est-ce que la magie d'invocation? C'est lorsqu'un magicien invoque la présence spirituelle et la contrôle afin d'accomplir ses objectifs. Comme le chamanisme, la magie d'invocation est apparue dans le monde entier et à différentes époques. Elle est présente dans les films, les livres, les jeux vidéo et j'en passe. Faust, de Johann Wolfgang von Goethe, a beaucoup contribué à rendre la magie d'invocation populaire. Je pourrais vous donner de nombreux exemples de magie d'invocation, mais nous manquons de temps. En voici quelques-unes. Au Moyen-Âge, John Dee et Edward Kelly seraient parvenus à invoquer un ange ensemble en Europe. Plus tard, au XIVe siècle, l'occultisme Eliphas Lévy aurait invoqué l'esprit d'Apollinus. Marchant sur les traces d'Aleister Crowley aurait invoqué, donc, au XXe siècle, un ange Eywas, ton ange gardien selon lui. Quoi d'autre? Le néoplatonisme. Il prône dans sa doctrine l'invocation d'un guide spirituel nommé Daemon. Dans le vaudou, le Ungan peut invoquer un esprit appelé Loa. Et au Japon, une incantation dans une religion nommée Vajrayana peut être considérée comme un rituel d'invocation. En effectuant ce rituel, l'invocateur essaie de fusionner avec Bouddha pour obtenir sa puissance. Et j'en passe, il y a d'innombrables exemples de magie d'invocation. Mais en étudiant différentes formes, un motif commence à se dégager. Une fois les cercles magiques, sorts et autres établis en tant qu'éléments du rituel, ils se sont répandus et... Mais cela ne sert pas à invoquer de puissants esprits, des esprits ordinaires aussi, par exemple le spiritisme ou les planches de Ouija.
Ces rituels sont faciles à effectuer et sont donc attirants, mais comme je vous l'ai déjà dit, n'essayez pas ça chez vous, ou cela pourrait mal tourner. C'est tout pour aujourd'hui. D'accord. Le sanctuaire, je suis tenté d'un côté, mais d'un autre, non, parce que si mon truc est pas bon, ça va pas le faire. Donc. Donc je ne préfère pas. Comment était ma journée? Très bien, très très bien. Franchement, nickel, je dirais. Très très bien. Ouais, bientôt la... Ce sera bientôt la pleine lune, nous y sommes presque. Faisons de notre mieux. Bien sûr. Quand tout sera fini, il faudra fêter ça. Oh, Yukari tête enfin. Oh. Oh, la chambre de Yukari. J'ignore pourquoi je suis si nerveuse. Tout le monde est dans sa chambre, j'espère que personne ne découvrira que je t'ai fait venir en douce. Si je crie sans faire exprès, tout le monde m'entendra. Qu'est-ce que je raconte? Arrête d'imaginer des choses. T'as tout compris. Est-ce que je me comporte toujours comme une folle? Yukari rit et rougit en même temps. Vous parlez un long moment avec Yukari. Ah oui, je voulais te donner quelque chose. C'est pour toi. Yukari vous a offert un cadeau spécial. Dragon de Yukari. Oh! Tu sais que c'est... Pas vrai, c'est la dragonne de mon portable. On me l'a donné à la cérémonie d'ouverture de Moonlight Bridge. Ce souvenir m'est cher depuis de nombreuses années. Depuis que mon père me l'a acheté. Avant, je parlais souvent à la figurine qui y était attachée. Quand je me retrouvais ici dans ma chambre. Tu dois me prendre pour une folle. Mais en apprenant à te connaître, nos conversations se raréfiaient. Je devrais t'expliquer pourquoi je te la donne. Je ne le répéterai qu'une seule fois, d'accord? Je t'aime. Ah, allez-y! Voilà, je l'ai dit. Yari vous a avoué ses sentiments et espère que ce sera réciproque. Rang max de l'amoureux. Yeah! J'espère qu'on peut lui répondre de suite, hein. Nous avons... Ah, j'ai vu qu'il y a marqué, nous avons la capacité de te faire créer si belle. Je crois, hein. Ouais, si belle. Quand tout sera fini, on devrait partir pour passer de temps en temps, du temps ensemble, juste toi et moi. D'ailleurs, ça te dirait de rester avec moi aujourd'hui? Je veux qu'on soit seuls tous les deux. Je rougis, pas vrai? Vous avez passé une soirée spéciale avec Yukari. Et je peux pas lui avouer mes sentiments, moi? J'étais dans ta chambre tout ce temps? Il nous reste que 3 jours. Je suis prêt à aller à Tartare quand tu voudras. Et je peux pas lui dire? Il y aura bientôt une pleine lune. Ça m'inquiète beaucoup. Je dois arrêter d'y penser et juste me détendre. Est-ce qu'il faudra que je reparle à Yukari pour que... avouer mes sentiments? Ou ça compte comme si je sors avec maintenant? C'est ça que je me demande. Je suis en train de me demander. Est-ce que ça compte comme si je sortais avec... avec Yukari? Ah ok, je suis énergique. Ok. Eh ben, nous on va dormir et on verra bien avec Yukari ce que ça donne plus tard. Hein.
Bonjour, c'est le grand jour demain. Parfait, je compte sur toi. Je suis sûr qu'une ombre apparaîtra demain et Strelega doit mijoter un truc. Bref, fais très attention. T'inquiète pas, je vais vraiment faire gaffe. Elle, je peux pas lui parler ? Eh ben... On va faire ça. On va rester jusqu'à la nuit. Punching Ball. Ah, le salon du dortoir. Tout le monde est là. Sauf Shinjiro, bien sûr. Ouais. Mais ouais, c'est passé vite, hein. そうですね。無駄なことは一つもなかったさ。力を得て2年半、悪くない時間だった。真田さん。コロちゃんにも会えたしね。それにしても真田先輩、2年半って長いですよね。 アギスはもっと長いか。私はほとんど寝ていたので、実稼働は極めて短いであります。霧城先輩はいつからやってんですか？確か真田さんよりもっと前からって。ん？最初は私一人だった。最も、その頃はまだ作戦もなく、ここもただの学生寮だったかな。先輩も理事長から誘われて？いや、違う。 私は幼い頃から影時間への適性があったんだ。以前、父の指揮するペルタロス調査の一団が釈迦田原で見ていた私に、その時ペルソナが覚醒したんだ。そんなことが。私は安定制御下でペルソナを覚醒できた。あの日、私に覚醒が起こらなければ今日のみんなの苦労はなかったのかもね。先輩、どの道誰かがやっただろう。 À la veille d'affronter la dernière ombre, vous vous sentez en ferveur calme animer vos amis. Vous sentez un lien entre eux. 8 ou 9, non ? Ah, 6 seulement ? Ouais, bah, ça se voit que c'est pas encore la fin, il y aura Strega et tout, donc... Bon, ben demain c'est le grand jour. Avec Yukari, pour l'instant ça n'a pas évolué. Il faut peut-être attendre un certain moment en termes de date, je sais pas. Mais en tout cas, c'est le jour J. On y est. La 12e est logiquement donc la dernière ombre, même si je pense qu'il y aura un truc sur. Je crois que c'est les Straga. Je crois comme ça le groupe. Salle des commandes du dortoir. Ou c'est Strega. Mais en tout cas, je pense que eux, il faudra les affronter, c'est obligé. Toka a invoqué Junon pour localiser l'ombre. Ok, c'est ça. L'ultime ombre et Strega attendent. Vous travaillez à choisir vos alliés de manière stratégique. Ah d'accord, on choisit ici. Bah ça change pas, hein. On va garder la même team que je joue. Espérons que ça passe. Tu es d'attaque. Let's go. Très bien, allons-y. Ok. Faites attention. Allons-y.
la dernière. Le dernier combat est enfin arrivé. Même si moi je doute que c'est le dernier. Mais tout d'abord, vous avez deux puissants adversaires à affronter. Mona Bollage, Extrémité Sud. Takaya et Jin, les deux derniers membres de Strega, vous attendent.今日で最後ということは無論知っていますね。あなた方はシャドウが災いを招くから倒すのだと言った。しかし命は日々無数に死んでいく。シャドウなどいなくてもね。ペルソナ能力そのものは悪ではない。否定する理由などありません。本当は分かっているんでしょう。あなた方は影時間を消したいわけじゃない。そうすることで自分の中の何かを消した気になり。 C'est pas vrai. 本心の言葉とは思えませんね。本当に愚かな人たちだ。影時間を消すということはあなたが自身を消す行為に等しい。そんなことにすら想像が及ばないとは本当に愚かしすぎて、いややはり私とあなたがたとではわずかほども交わっていないようです。ではジン、こんなしょうもない連中見とられへん。互いの力と運命とが残るべきものを決めるでしょう。来なさい。 Oh, les deux en même temps? D'accord. Je m'y attendais pas du tout. Eh ben, on va faire ça. On va utiliser cette stratégie sur eux. On va y aller tout doucement. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, toi, je pense pas que t'as un truc qui permet de... Non, on va faire dégâts de moyen gel sur tous les ennemis. Même si je pense qu'ils ont pas de faiblesse niveau élémentaire. Hein. Ils renvoient la lumière et les ténèbres. Je pense que Jin, c'est pareil. Bon, on a eu de la chance, ils ont été gelés. Ça, Danzai no jikan desu. Oh, la gueule de la persona. Ah, il renvoie le feu par contre lui. Nantoka wa shinana naoran sakai na. Ok, feu et glace. Et il faut pas faire d'attaque feu. Ok. J'aimerais bien un truc intéressant. Mais je... Ah, peut-être toi. Ouais, non, mais c'est pas assez puissant. On peut mettre Siryu pour réduire l'attaque des ennemis. Ouais. Même s'ils font pas de dégâts. On sait jamais. Dégâts de feu moyen sur un ennemi. Bah toi. Toi tu crains pas le feu toi en face. Enfin Jin. Donc pour l'instant ça se passe bien. Oh, il fait du vent aussi? D'accord. Bon, lui, c'est que du feu.
On voit que lui, c'est vraiment que du feu. Ok. Pas de soucis. On va passer sur lui. Même si c'est des légers, on va voir les dégâts que ça fait en léger. Ouais, c'est léger, léger. Mais au moins, on les touche au moins. Lui là-bas, il va morfler avant. Il va être à terre avant. Je pense qu'on devra les réaffronter. Hein. Parce que si c'est juste ce combat-là, ils sont faibles. Hein. Ok. Ok, de la glace pour tout le monde. Ah non, bouffe dîner, c'est un seul. Oh non, pas le Mudon. Rat. Nickel. Ah oui, j'ai du Meggy. Vu que c'était dégâts absolus, c'est neutre. Voilà. Ouais, ils sont en train de bien morfler, hein. Bon, déjà, celui de gauche, il est KO. À moins qu'il a une phase 2. Sinon, il est KO. Oh, les deux en même temps. Ah non. Mais en fait, il est quasi KO. Ouais, une attaque physique, ça suffit, hein. Allez, dégage. Sale mioche. Non, ils sont trop simples. Il y aura un autre combat avec eux. Avec la compétence Megiddo. Oui. Absorption électrique. Merde, je me suis fait niquer mon Megiddo. D'à côté, je suis un peu deg là.与えられたわしは自然に目覚めたわけやない。お前らの神だ仲間が持っとったやろ。神事の薬出どころはお前らか。お前ら影時間が消えるっちゅう意味よう考えとるんやろな。影時間になんか体験しても普通のもんは記憶から消えてまうけど。 もういいのです。さて、普通はこの辺りが潮時でしょうかね。しかしそうもいきません。時の限られたこの体、力を失ってまで生きながらえるなど無意味。ならば私の生きた証、この地に立てるのみ。え、何をするのです。 破れかぶれはあかん。ジン、すみません。でもこれはあなたが言うてくれた言葉です。ジン a pris Takaya et a escaladé la rambarde du Moonlight Bridge. お前らの勝ちや。行ってシャドウを倒したらええ。お前らの戦いが何やったんか。おい、ちょっと待て。まさか飛び降りおってんじゃ。捕まって恥さらすんは死んでもごめんや。 Jin et Takaya ont disparu dans la mer rouge sang. De cette hauteur, ils sont sûrement... Non, ils sont encore en vie. Ils vont vouloir, à mon avis, on va devoir les raffronter, je pense, une fois. まだ作戦は終わっていないぞ。ここからが本当の相手だ。今はそれに集中してくれ。 L'ombre juste devant ne bouge pas pour l'instant. Tu dois la vaincre pour en finir.
Bon. Eh ben, let's go. Mais je pense qu'ils sont pas morts, hein. Je pense qu'on aura de nouveau un combat contre eux. Fini. Ah bah non, vers l'ombre. Let's go. L'heure est venue. Tu te sens d'attaque? Bien sûr. Mais je pense qu'il faut buter les trois statues en face en fait, hein. Je sais pas pourquoi on s'emmerde, hein. Je pense que c'est ça, hein. Faut péter les trois statues, hein. Pour qu'ils puissent apparaître, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Et en plus, elle se rapproche chaque fois qu'on les tape, hein. C'est ça. Allez, ça dégage. Et lui va tomber. Allez, let's go! On va aller peut-être faire zéro dégâts, pas beaucoup, mais let's go. Ouh. Main de Dieu. Oh, je la connais, c'est une attaque physique qui fait mal. Ça va quand même, ça va. On va pas s'emmerder. On va lui mettre pas mal de trucs sur sa gueule. Allez, bouffe. On va augmenter notre défense et tout, ça va être pas mal. Et je pourrais lui réduire l'attaque avec Dragan au prochain tour, si je veux. Est-ce qu'il craint la glace ou il la renvoie ou je sais pas? Il la craint. On va soigner en cas où. Oh, il a esquivé. C'était Seryu qui niquait l'attaque. Il pouvait baisser l'attaque, Seryu. Ah, comme ça tu bouffes ta race, toi. Tu renvoies tout. Enfin, tu crains pas ni ténèbres ni lumière, mais le reste tu crains. Il y a des chances, à mon avis, qu'il remonte là-haut. Hein. Il va être en phase où il va remonter là-haut. C'est obligé. Voilà, il invoque les trois statues, je parie. Ah non, il invoque un bébé de lui. Il invoque un bébé de lui. Si ça te fait plaisir, mon cousin. On va le dégager, ton bébé. Il annule la glace. Bon bah. Ça se trouve, ça fait le bêche, changera souvent. Donc on va faire ça. Ouais, il est faible. Je sais pas si c'est la dernière ombre, mais elle est pas spécialement forte pour l'instant. Elle va peut-être s'énerver, hein. Mais pour l'instant, elle est vachement nulle.
Il a toujours son attaque et sa précision de baisser. Donc ça va. On peut dire un Vokrate de passer statut. Ou en phase 2. On se trouve en phase 2. On verra bien. Ok, va falloir lui remettre ça dans la gueule. Ok. On augmente la défense. Donc pour l'instant c'est nickel. Pour l'instant ça se passe très bien. Ça baisse tranquillou et facile. Alors, est-ce que la faiblesse est toujours contre la glace ou est-ce que la faiblesse va changer par rapport au renvoi ou l'annule ? Ok. Toujours la glace. Voilà, comme ça dégage. Ouais, j'aurais pu lui mettre une attaque physique dans la gueule, hein, ça aurait autant passé. Ok. Ah, il y remet. Ok. Je pense que si elle se rapproche jusqu'au bout, elle nous attaque et elle fait mal. Je crois que la glace, elle craigne tout, pas toute la glace. On va retenter, mais je crois qu'il y en a une tout à l'heure qu'elle craignait pas. Et une, oui. Oh, et vous voyez, il y en a une qui annule et l'autre, elle prend les dégâts. Ça se trouve, elles ont des faiblesses différentes. En tout cas, tu redescends, tu dégages. C'est-à-dire qu'il va se prendre un assaut dans la gueule. Un assaut général. Il va se prendre un bon 600 comme tout à l'heure, ça se trouve. Voilà. What? Pourquoi deux? Il s'est pris deux assauts. Mais franchement, c'est une des ombres les plus simples. Hein. Elle est pas compliquée. Hein. Et c'est censé être la dernière. Hein. Toi, au milieu, tu craignais le feu. Celle de droite, elle craint pas la glace, on dirait. Ah non, celle du milieu. Ok. Il va se reprendre un assaut général. Si je fais pas rater, il se reprend un assaut général. Allez, descends mon gros pépère. Art de la cacha. Ok.
Ok, c'est un bébé. Ah oui, je vais très bien. Easy même. T'inquiète. T'inquiète pas sur ce coup-là. On se soigne en cas où. Ça fait plaisir. Son attaque est restaurée, mais bon, on a gagné de toute façon. Donc c'est bon. Eh ben, il n'aura pas été compliqué si c'est juste ça. Si il a juste une phase. Non, ça ou l'attaque de Yukari, c'est fini. Ah bah nickel. Ça fait du bien. Eh ben, ça fait de l'XP. Watta no ka? 作戦終了と言いますか。任務完了であります。ああ、終わったな。こういう場合、現場リーダーのとっさの一言が必要かと思います。勝利宣言をお願いするであります。ピピピ、ほら。せーの。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れです。お疲れ様です。 ところで、キリジョー先輩。明日の夜は祝勝会するんすよね。なんだ、気が早いな。もちろん、その予定だが、どうした？その、うまい寿司とか食いたいなーなんつって。寿司か、いつ以来かな。俺はヒラメだ。あと、ウニも予約だ。あ、じゃあ私、中トロ。言わないとダメ。ちょ、待ってよ。 予約とかっておかしいだろ。私は大トロ、マグロ、エビ、イカ、ホタテ、鉄火。取りすぎだー！つかお前は食わなくてもいいだろうが。醜い争いだ。キリジョー先輩、一応卵も頼みます。寿司屋の実力は卵で分かるっていうから。寿司屋の実力？分かった分かった。それ、マジっすか？はあ、これまで生きてきてよかった。 順平は残ったかんぴょう巻きね。まだ続いてんのかそれ。てかかんぴょうをバカにすんな。 この景色ももう見納めなんだな。忌まわしいと思ったことしかないが、不思議と名残惜しい気持ちになる。そうだな。守ったんですよね。私たちのすべきことをちゃんと果たしたんだ。 L'heure sombre a pris fin. Moi, j'y crois pas. Votre chambre. Vous sentez une présence familière. Ah, Pharos. Ohayo. Kouste hino deteru jikan ni au no hajimete da ne. Ii tenki da ne. Kesa wa honto no imi de atarashii asa da. Kimi ni totte mo imamade atsumatte kita kiyoku no kakera. 僕は僕自身の役割がはっきり分かった。来るべき時の訪れだ。本当は辛いことだけど、でも言うよ。お別れしなきゃ。君と今だから分かる。君と友達になれたことは僕にとって奇跡みたいなものなんだ。でも奇跡は永遠には続かない。永遠だったらいいんだけどね。 Pharos vous regarde les yeux pleins de larmes. Vous sentez un lien fort avec Pharos. Mais on n'est pas complet avec lui, on est 8 ou 9 à peine. Ah non, c'était déjà le max.
Ah non, c'est les SES que j'étais pas au max. Donc là, c'est la mort. Et non, la mort, je sais pas, ça doit donner un truc Satan, Lucifer, un truc comme ça, non ? Crée Thanatos. Ah non, Thanatos. Je vois qui c'est Thanatos en plus. D'accord. Le reverrez-vous un jour ? Hey Dragon, dis-moi, t'as les crocs ? Ce soir, on va se lâcher, je vais me faire péter le bide comme jamais. Ouais, je suis au taquet, j'ai rien bouffé depuis hier. T'as intérêt à revenir direct après les cours, hein, je t'attendrai. Ah ouais, ça mange direct. Le salon du dortoir. Comme promis, les meilleurs sushis vous attendent sur la table. Mais t'as des cas ? Haraheta ! そういえば、アイギスさんは？アイギスなら細かい調子がどうとかでラボへ出てる。イクツキさんはその付き添いだ。こんな時でもラボに行っちゃうなんて。いらしたようだ。お待ちしていました。終わったのだな、つい。はい。いや、わかんだろう。霧城先輩のパパ上様だよ。そっくり。皆も本当によくやってくれた。言葉もない。誰にも知られず称えるものもない勝利だが、これは紛れもなく偉大な功績だ。ありがとうございます。感謝している。よく最後まで力を貸してくれたな。全ての元凶であった12のシャドウは君らの活躍によって滅んだ。これ以上は何も背負う必要はない。今夜24時をもってこの特別課外活動部は解散となるだろう。解散？そうか。戦いに身を投じる必要はもうない。明日からは大手を振ってごく普通の学生生活に戻ってくれたまえ。さあ、楽にしていいぞ。せっかく取ったものもある。遠慮しないで手をつけてくれ。やった、ようやくだ。 Quelques minutes avant minuit, la fête continue. はい、注目。お腹も膨れたところで記念写真撮りたいと思います。写真？本当は昨日現場で撮ろうと思ってたんすけどね。でも影時間だってすっかり忘れてて見事に使えませんでした。現場でってお前戦いに持って行ったのか。そうっすよ。だって最後って分かってたわけでしょ。すいません、そこの SP さん。これもうどっかの観光客かっての。でもまあ写真ちょっと欲しいかも。ああ、いくつきさんとアイリスまだだっけ。よし、ほんじゃ撮るんで集まってください。Tout le monde est rassemblé devant l'appareil photo. Hola, motte yotte yotte, motte ore ni kutsuite. Ore mo ka? Ah, ie, Sanada senpai wa. Mo, kurofuku no hito komatten jan. Ah, ii desu, tekito ni tochette kudasai. Zatsu kime pose. Oi, te o dokero. Ore, matomo ni utsutten naku?あ、アイギスたち来たらもう一回撮りますからね。わかったわかった。こういう砕けた祝い方もなかなかいいものだな。コロちゃんもお肉いっぱいもらえて嬉しいね。La fête s'est déroulée sans accroc. Vous avez passé un beau moment détente avec vos amis las de combattre. Ah, 7!なんだよみんな、もう食わねえの？あんたよく入るね。私もこのくらいでもうお腹いっぱいだし。先輩たちは？今はもういい。そっすか。コロマル、食う？犬に生物やんなっつーの。
アイギスとイクツキさん、遅いな。もうすぐ0時だな。だよ、これ黒服の人、象徴化してる。影時間がまた？霧城先輩、これ一体？わからない、私にも可能性がゼロじゃないとは思ってたかな。全部が終わったって実感。そんな、ちょっとなんか聞こえない？これ金の音？どっから？いくつきはどこに？なぜ何も言ってこない？アイギスを連れたまま何の理由で遅れているのだ？ミツル、みんな出撃の準備だ。タルタロスへ向かう。あ、まだわからない。だが金の根はタルタロスからだ。何が起きているか確かめに向かう。アイギス、あんたどうしてここに？彼女は役目に従ってここにいるだけだよ。え？イクツキさん、これどういうことなんすか？あなたは12のシャドウを全て倒せば影時間もタルタロスも消えると言った。そのために俺たちは戦ってきたはずです。なのに目的は何ですか？12のシャドウを倒せば影時間が消えるというのは偽りだった。最初から知っていたな。さすがだね、霧城君。けどちょっと気づくのが遅かったね。そんな、騙してたってこと？全て思惑通りさ。影時間もタルタロスも古消えるはずがないのさ。何しろ今までの戦いはそんなこととは逆の行いだったんだからね。逆って？12のシャドウは破片、もともとは一つになるべきものだった。しかし君たちが全てに接触したことで間もなく蘇る滅びを呼ぶものです。何を言ってるんです？絶望に満ちたこの世界に全ての終わりが来るのさ。全ての死、しかしそれは全ての始まりでもある。何言ってんの？この人正気？10年前、僕も研究者として計画に携わっていたんだよ。実験は暴走したが、影時間やタルタロスはそのせいで生まれたわけじゃない。あれこそシャドウの力の正しい現れなのさ。だから先代は集めた。滅びを得るためにね。滅びを得るため？人は世界を満たし尽くし、真っ平らな虚無の王国にしてしまった。もはや滅びによってしか救われない。予言書に曰く、滅びは王子の手により導かれる。そして王子は全てに救いを与えた後、王となって新世界に君臨する。10年前に試みた男は確信を知らなかった。しかし時を経て、ついに僕が王子となる。狂ってる。マジで言ってんのか？まあ嘘をついていたことは謝るよ。でも君たちは未来の後、少し黙って僕についてくれば君たちも救済を得られる。死ぬのが救済？ちょっと聞きたいんだけど。なんだい？10年前の父さんの記録、飛び散ったシャドウを倒せっていう、あれも嘘だったってこと？ああ、あの記録は実際に本人が残していたものさ。もっとも意に沿わない下りには手を加えたけどね。改ざんしたのか？そういう言い方は良くないな。君の父上、武場栄一郎氏は実に有能な科学者だ。主任だった彼は当時の若い僕など知らなかっただろうけど、ほとんどの研究者がシャドウの能力だけを見てた中、彼は滅びについて熱心に研究したようだ。でも惜しいことに、彼は滅びの素晴らしさまでは理解できなかったようで。何それ？あれは
命と引き換えに残された記録だったらしいね。役に立ったんだからよかったじゃないか。全部利用してたってことだよね、父さんのことも。利用なんて言わないでくれよ。世界のためなんだ、しょうがないだろう。私たちの役目は残された過ちを正すことだ。私はそれを遂行する。先輩、それって…まったく、単純で理解力に欠ける行動だね。まあ、子供なんだし仕方ないか。アイギス、さあ、お前の役目を果たす時だ。了解しました。出力、最大。アイギス…どうして…アイギス…ねえ、行きます。なんだこりゃ。なにこれ。くそ、外れない。お父様、イクツキ、これは何の真似だ。見ての通りですよ。彼らには滅びの先駆けとして生贄となってもらう。これで予言書に示された段取りは全て完了だ。なんだと。てめえ、ふざけんなよ。やれやれ、騒がしいね。アイギス、ご当主に照準を合わせろ。はい。お父様。貴様、正気か。もちろん。思えば先代も不幸な方だ。何を求めていたのか。世継ぎのあなたは10年経ってもまだ理解できない。父は間違っていたのだ。死が人の救いだなど継ぐべき思想ではない。愚かな。あなたはもう邪魔なだけだ。アイギス、一足先にご当主に与えて差し上げろ、栄えある救いを。やめろ、やめてくれ、アイギス。何をしているアイギス。私、もういい、私がやる。10年だ、10年を無意にしたんだ。先代の時とは違う。今度こそいかなる例外も許さない。アイギス、生贄どもを処刑しろ。終わりにしてやる。アイギス、まだ目覚まさねえ気か。やるんだアイギス。これは…アイギス!おのれ…出来損ないの人形が!そっちにも味方はいないぞ。おまけにその怪我、これまでだな、理事ちゃん。なぜわからない。今の世界で
希望や生きる意味を探し出すなんてもう無理なんだよ。こんな世界はやり直さなきゃダメなんだ。すごい、すごいぞ。私は次の世界の王になれる。もう少しだった。どうしてこんな。いくつきさん、お父様、以前、お父様は言っていた。私たちの代にまでリスクを負わせた責任は、命に代えても果たすと。でも私は、お父様に生きていてほしかった。私は、この人を守りたくて。Waouh, il s'est passé trop de choses! Et au courant, le président du conseil des élèves, il paraît que son père est mort d'une maladie. Ça doit être super dur de vivre sans ses parents. Ah, j'imagine, je pense que je vais aider ma mère à cuisiner en rentrant. Waouh, non mais c'est ouf ce qui s'est passé. C'est trop ouf, vous avez reçu un message. C'est Akihiko. J'ai besoin de vous parler à tous. Venez à la salle des commandes à votre tour. C'est ouf tout ce qui s'est passé là. Au final, le directeur, ben, c'était un méchant. Il a fait exprès tout ça pour pouvoir réunir les conditions. Bon, au final, Aegis lui a désobéi, donc il en est mort. Le père de Mitsuru qui est mort, parce qu'il s'est fait tirer dessus, comme le père de Mitsuru qui a tiré sur le directeur. Mais waouh, tout ce qu'il a fait. Ah, au final, il a pété un plomb, il voulait complètement refaire le monde à zéro. C'était un truc de dingue. ちゃいましたね。まあ当然だろうな。アイギスもいないし、正直もう何が何だか。新聞やニュースはもう盛んに騒いでますね。霧城グループ総帥急逝、病死ってことになってましたけど。ああ、いつも事実とは違う。霧城先輩さすがにいないっすね。一人娘だからな。ソニーから後継問題まで全てで矢面に立たされる。向こう1週間くらいは強行軍だな。なんかそれきつそう。大丈夫かな。俺らこれからどうしたらいいんすかね。つか千鳥とかどうなるんすか。どうもこうも一切通達なしだ。そ本音はおそらくグループの内部でもどうしたらいいかわからないんだ。アイキス大丈夫だといいな。なんだよ、どんなこと言ってくんのかと思えば放置かいいのか。大人がそんなんで。ミツルが早期に行ってるからな。その影響もあるかもしれない。そっか。けどこれからどうします。影時間を消すどころか手がかりもゼロ。それらしい敵ももういないし。あの人の言ってた滅びって、もし僕らがあのまま生贄になってたら何が起きたんでしょうか。わからないことだらけね。でもまあ悩んでても始まんないっしょ。そうだな。ただ一つ確かなことがある。アルタロスはまだあって、あそこにはまだシャドウがいるんだ。何が起きてもいいように力は鍛えておく必要がある。はい。それじゃあ今夜は解散だ。ゆっくり休めよ。眠れなくてもな。わかりました。そうだゆかりちゃん。これリスク。あのね、理事長の私物のハードに映像が残ってて、ほとんど消されかかってたけど、なんとか復元してみたの。きっとゆかりちゃんの大切なものだと思う。
ありがとう。後で見てみるね。うん、必ず見てね。これ DVD？ 再生ワット。この記録が心ある人の目に触れることを願い。これってあの時の。後藤氏は忌まわしい思想に見入られ変わってしまった。この実験は行われるべきじゃなかった。だから私は強引に実験を中断した。しかしそのせいで飛散したシャドウが後世に悪影響を及ぼすのは間違いないだろう。でもこうしなければ世界の全てが今破滅したかもしれない。頼む、よく聞いてほしい。くれぐれも警告しておく。散ったシャドウに触れてはいけない。これこの研究、私は止めることができなかった。悪魔に見入られた後藤氏の耳に私ごときの言葉は届かなかった。あれらは互いを食い合い一つになろうとする。そしてそうなればもう全てが終わりだ。もう一度言う。散ったシャドウには触れてはならない。これ本当の記録。父さん、実験を止めようとしてたんだ。僕はもう助からないでしょう。最後にこれを見たどなたかが娘にゆかりに会うことがあったら帰るって約束したのに、こんなことになってすまない。でも父さんはお前と一緒に過ごせてこの世の誰より幸せだった。夫、と愛してるよゆかり。どうか元気でいてほしい。お父さん、お父さん。でも無駄じゃなかった。信じてたこと無駄じゃなかった。私は元気だからさ。ずいぶんかかっちゃったけど、メッセージちゃん。Ah, la résolution dans le cœur de Yukari a éveillé une nouvelle persona. Ah, à quoi va ressembler sa nouvelle ? Oh, je préfère celle-là, hein. A engendré Isis. Oh, elle est magnifique. J'adore. Atashi, nantoka shite miru yo. Sare de ii yo ne, to-san. Waouh, il s'est passé trop de trucs. Il s'est passé trop de trucs, les amis. Entre le directeur au final qui avait tout fait, en fait, parce que son plan, c'était de... Bah, pour remettre le monde à zéro, c'était... son plan, c'était de détruire toutes les ombres. Mais au final, c'est pour ça qu'il nous a manipulés. Alors qu'au final, en fait, ce que voulait Strega, c'était empêcher que le monde... finisse très mal, dans le néant, qu'il soit reboot à zéro, que tout soit détruit. Au final, ce n'était pas vraiment les méchants en soi, enfin, si on comprend pour l'instant ce qu'ils voulaient, eux, leur attention par rapport aux nôtres. Bon, je pense pas qu'ils sont morts, donc on verra bien. Chidori, c'est vrai qu'elle est toujours avec nous, mais on en a pas encore appris un peu plus. Donc on verra ça dans le prochain épisode, mais en tout cas, la 12e ombre, un petit peu déçue. Trop simple comparé à celle qui était avant. En tout cas, cet épisode était plus long que prévu, car il y a eu beaucoup de blabla, beaucoup par rapport à nous faire comprendre l'histoire. Je peux comprendre qu'il y en a qui disent que sur les personnages Shin Megami Tensei ou certains jeux comme ce genre-là, il y a beaucoup de blabla. Mais au moins, ce qui est cool, c'est que ça met l'histoire en place, c'est détaillé, c'est pas de l'arrache, et ça, j'aime bien. Je tiens à préciser. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Pour la suite de Persona 3 portable. Allez, ciao ciao, Mina.